Voici un bel ordinateur, quand même assez récent, un duo. Marche, là. OK? On va l'éteindre. OK? Arrêtez. Yes. C'est Windows 7 qu'il y a dedans, faut dire. OK, il y avait, on va forcer l'arrêt, c'est sûr. Êtes-vous sûr? Yes. Let's go. Intel Duo Core, ouais. Il faut mal faire, ça prend plus de temps. Hey! Merci. Il était tendu, là. OK? Il restait bien un petit peu d'électricité dans le condensateur, mais la charge n'est pas assez. Alors, peu importe. On le rallume. Checkez bien ce qu'il va faire. Il fait ça soudainement. C'est assez spécial. Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé. OK. Racine Windows 32 HAL. Bon, je suis allé chercher le fichier HAL.dll sur l'Internet. Et puis, ça prend une autorisation pour le mettre dedans. Mais il ne veut pas le copier puis le remplacer. Peu importe. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Quand il arrive une affaire de même, on le rééteint. On strike, c'est-à-dire appuie plusieurs fois sur F8. Bon. Posez l'embarqué. Voilà. OK, c'est simple. Il s'agit d'embarquer sur le disque dur en question, qui est celui de 500 gigs. Voilà. Mais c'est parce que moi, c'est un gars qui est perfectionniste. Hein. Faut que ça marche. Moi, c'est vrai qu'avec XP, j'ai jamais eu ces troubles-là. Pratiquement, c'est de. Et là, avec Windows 7, qui est 64 bits, ça, en plus de ça. Ouais. J'aime pas ça, d'une certaine manière, ça n'a pas se poser de runner de même. Il y a quelque chose de quelque part qui manque, oui, ce DLL-là. Et pourtant, il ne reconnaît pas, là. Il y a quelque chose qui skip à quelque part. Il va pourtant très bien quand il est allumé. Mais c'est au démarrage. C'est pareil comme un char que tu n'y mets pas le bon gaz. Ça skip. Bon, conseiller en service de Bell Canada. Il y a un firewall là-dedans, puis il va vous dire une affaire que. Comment ça, il y a deux poubelles? C'est pas mes habitudes, ça, là. Supprimer, raccourci. Il y a déjà là, voyons donc. Ah, pas peine d'en mettre un tout raccourci.